Bonjour tout le monde. J'ai regardé une vidéo de un pasteur. Je ne sais pas si c'est 2 jours passés. Oh Seigneur. Seigneur, Dieu du ciel. Oh, Dieu du ciel, de la terre. Vraiment. Donc, cette personne, ce pasteur-là, il prêche tellement bien. Donc, souvent, je n'écoute même pas ses messages et puis je partage sur ma page, vous voyez? Parce que je connaissais pas bien le pasteur, quoi. Donc, il y en a souvent, lorsque je retrouve des bons pasteurs comme ça, ben, je finis pas d'écouter parce que souvent je n'ai pas le temps d'écouter les messages. Je suis en train de peut-être écouter l'autre message et je vois qu'il est il est en ligne. Donc, je partage la vidéo pour que je puisse regarder après. Donc, souvent, je fais ça. Et je pense que j'ai partagé la vidéo. Et après, je faisais quelque chose. Et après, je suis repartie pour écouter ce qu'il était en train de dire. Mais c'était terrible. C'était tellement terrible que j'étais obligée d'aller sur ma page et enlever la vidéo que j'ai partagée là. Mais je voulais même me désabonner, mais comme j'étais sur mon téléphone, ça me créait des problèmes. Donc, je vais aller sur mon ordinateur pour faire ça. Donc, c'est terrible quoi. Ce qu'il disait là, c'était terrible. En tout cas, je vais prier pour lui. Parce que ben, il prêche bien. Seulement peut-être à ce niveau-là, peut-être il n'a pas la connaissance à ce niveau de connaissance, quoi. La sorcellerie, ok? Moi, je la maîtrise très bien. Le niveau de la sorcellerie, il ne maîtrise pas ce sujet-là. Donc, j'étais obligée. J'étais obligée d'aller enlever sa vidéo là vite et puis me déconnecter sur sa page parce que c'est comme ça. Il y a une autre que je suivais et lorsqu'elle est rentrée dans ce sujet là, j'étais obligée de me déconnecter parce que ce qu'elle disait là était terrible aussi. Donc, il y a des gens en tout cas, merci Seigneur pour tout, pour cette vidéo. Je te rends gloire pour cette vidéo au nom de Jésus. Amen. Donc, il faut savoir, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des gens, ils prêchent bien, mais après, là, ils tombent dans le trou, le piège du diable. Il y a des gens, ils prêchent bien, 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 mais après, là, tu les vois, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est ici? Vous voyez? J'écoutais, écoutais, il a commencé à parler de un pasteur et après il dit oui le pasteur a commencé à le com pasteur l'esprit comment l'esprit de Dieu va te dire prends un couteau découpe ça comment l'esprit saint Dieu qui est bon comment l'esprit saint va te dire prends un couteau, viens découper ça là. Et puis en découpant, ça coupe bras de quelqu'un au village là-bas. Comment l'Esprit Saint va te dire ça? Ça coupe bras de ta tante au village. Et toi, tu es content pour ça? Tu es content que le bras de ta tante l'ait coupé au village? C'est terrible. C'est horrible. Oh mon Dieu. Lorsqu'il a dit ça là, et les gens, il y a les gens qui disaient Amen. Oh Seigneur, il y a des gens qui disaient Amen. C'est un mal. C'est un mal. Le pasteur a dit à un autre pasteur de faire quelque chose. Je ne vais pas trop préciser parce que je veux. Je ne veux pas que les gens se retrouvent dans ce que je dis. Donc, un pasteur a dit
un autre pasteur de faire quelque chose. Et arrivé à la maison, il allait prendre quelque chose et puis il est venu. Et l'Esprit Saint a commencé à parler au pasteur. Et l'Esprit Saint lui a dit de prendre un couteau et de découper cette chose-là. Quand il découpait cette chose, sa tante qui est au village, là, son bras l'est coupé. C'est pour cela, la parole dit, beaucoup vont dire, Seigneur, Seigneur, on a travaillé à ton nom. Et Dieu va dire, je ne vous ai jamais connu. Vous qui faites le mal, vous qui commettez le mal, je ne vous ai jamais connu. C'est un mal qui est là, là. C'est pas du bien. Ta tante là, moi mes tantes, lorsque je suis née là, mes tantes m'ont mis au dos. Vous savez, au village, en Afrique, on met les enfants au dos. Ta tante, quand tu es née là, est-ce qu'elle t'a jamais porté? Est-ce qu'elle n'est pas comme ta mère? Est-ce qu'elle ne t'a jamais mis au dos? Et toi, tu vas faire du mal à ta tante. Vraiment, j'étais choquée, quoi. Ma tante m'a mis au dos. Et moi, je vais être contente que son bras est coupé, parce que moi, je la traite d'une sorcière. Non, ça, c'est un mal. C'est un mal. Dieu n'est pas dedans. C'est même pas Dieu qui lui a parlé. C'est pas l'Esprit Saint. Dieu même nous dit de prier pour celui qui te persécute. Ça, c'est la parole de Dieu. Prie pour celui qui te persécute. Prie pour ton ennemi. Il n'a pas dit d'aller égorger ton ennemi, aller couper bras de ton ennemi. Non, c'est même pas Dieu. Et il est là, il dit, c'est comme ça. L'Esprit Saint fait. Et les gens sont sur sa page en train de dire Amen. Moi, j'ai quitté. Il y avait ces messages qui étaient vraiment bien. Et à cause de ça, là, j'ai dit non. J'ai quitté sa page. C'est pas Dieu qui est là, là. Dieu va dire, il y a beaucoup de personnes qui vont être surpris. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont en train de servir Dieu de cette façon. D'abord, ton cœur est mauvais. Ça, c'est un mauvais cœur qui est content qu'une personne... Comment tu peux être content que ta tante, là, son bras l'ait coupé avec couteau? Comment tu peux être content? Ça, c'est diable, c'est un mauvais cœur. Notre tante, là, on prie pour les tantes, on prie pour notre maman, nos papas. Il y a des gens qui sont contents parce que ils traitent la personne de... Dieu dit de ne pas juger les gens. Dieu dit de ne pas les juger. Oh, je disais que moi, mes tantes, elles m'ont mis au dos, ok? Elles m'ont porté au dos. Donc, depuis le temps qu'elles me portaient au dos, là. Donc, elles ne m'ont pas tué. C'est maintenant que j'ai eu les dents, là. Je parle, je suis devenue grande. C'est là qu'elles vont me tuer. Regardez comment le diable peut vous mentir et vous êtes là endormi en train de croire aux mensonges. Depuis bébé, là, ils ne t'ont pas tué. C'est maintenant que tu es devenu grand. Tu reconnais le couteau. Tu peux aller soulever le couteau pour en train de, je ne sais pas, couper quelque chose et puis... Vraiment, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, sinon Dieu va dire à beaucoup de personnes, je ne vous ai jamais connu. À ces pasteurs-là qui font le mal, Dieu va leur dire ça. Dieu va leur dire ça. C'est mal. Comment tu veux, maintenant tu es grand, au lieu d'honorer ta tante, au lieu de faire du bien à ta tante, c'est le cœur mauvais là. Il faut demander à Dieu. Enlève-moi mon mauvais cœur. Donne-moi ton bon cœur. Change ton cœur. Demande à Dieu, change mon cœur diabolique qui juge ma tante. Change mon cœur. Et tu vas commencer à prier, aimer ta tante. Moi, ma tante m'a porté au dos. Ma tante s'est occupée de moi. J'ai grandi maintenant. Je vais la traiter de sorcière. Non. C'est un péché de faire ça. C'est un mal. En tout cas, c'est un peu ça. J'étais dépassée, quoi. J'étais dépassée, il était content. Il est en train d'enseigner quelque chose aux gens. Les gens sont en train de t'écouter, c'est ça là tu enseignes aux gens. C'est ça tu enseignes aux gens. Vraiment, hein, j'étais tellement dépassée. Dieu n'est pas dedans. Si quelqu'un
Si tu es en train d'écouter un pasteur qui est en train de dire qu'il est en train d'égorger quelque chose ici, là, et puis la personne est égorgée là, il faut quitter sa page. Il a fait ça, et puis quelqu'un est en train de mourir ici, là. Quitte sa page, c'est un mal. C'est un mal, ça, c'est pas Dieu. Moi, je vous avertis, hein, vous voulez la continuer. Et Dieu va, le jour du jugement va arriver. Dieu va dire, je ne vous connais même pas. Ok, c'est ça, quoi. C'était terrible. Que Dieu vous bénisse. Bye.